c'est la ligne de, ça c'est la ligne de vie. D'accord. Là. Ouais. Ça, c'est la ligne de cœur. Donc des affectifs un peu perturbés, pas mal de perturbations sur le plan personnel. Personnel, je dis. Ça, c'est la ligne de tête. C'est-à-dire ? Votre intellect, d'accord. Votre cérébral. Il y en a des fois qui ont la ligne de tête doublée. Alors quand elles sont doublées, on dit que c'est une intelligence supérieure à la moyenne. D'accord. Bon, ça c'est la ligne de destinée, la ligne de Saturne. Donc les gens qui n'ont pas du tout ça dans leurs mains, généralement, c'est rare qu'ils sont patrons. Enfin, quand je dis patrons. Ou ils sont dépendants de patrons, d'une société, mais ils ne sont jamais leaders. Ils sont toujours second ou troisième ou quatrième position. Vous avez ça surtout dans cette main-là. Vous êtes droitière ou gauchère ? Droitière. Vous êtes droitière. Vous êtes à l'envers de moi. Donc ça, c'est la gauche. Oui. Ça, c'est ce qu'on vous a donné au départ, à la naissance. D'accord. Une grande possibilité. D'accord. Maintenant, quand je regarde dans celle-ci, regardez. Ça se fendit, ça se rattrape, ça se dévie. Vous avez dû commencer quelque chose, vous avez dû arrêter des études, vous avez repris quelque chose, vous avez dévié comme ça. Ouais. Voilà, au moins à deux reprises. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est toujours la ligne de tête. Et ça, c'est votre ligne de cœur. Dans celle-ci, elle est plus calme, la vie. D'accord. Dans celle-là, elle est plus tordue. Ça veut dire votre adolescence, etc. Par contre, à la naissance, il y a eu un souci. Vous avez eu un souci quand vous êtes née ? Bah, j'ai failli mourir. Voilà. Deux fois ? En tout cas, je sais qu'à la naissance, j'ai failli mourir. Ouais, parce que c'est marqué ici. D'accord. Là. Dans les deux mains. Donc, on peut voir la mort comme ça au niveau de... Ah, parce que je n'annonce pas, généralement. Ouais. Je n'annonce pas ça. Donc, vous avez dévié, vous avez bifurqué. Vous n'avez jamais eu l'idée de vivre à l'étranger, vous ? Si. Voilà. Voilà, tout à fait. Bon, là, vous allez encore bouger au niveau boulot. Vous n'allez pas rester où que vous êtes là. Bougez-vous. Deux unions marquantes, vous avez eu là ? C'était un mariage ? Non, concubinage ou oui. Deux histoires. Tout à fait, deux concubinages. Voilà. Mais de quel mois ? Octobre. Et combien ? Le 15. Quelle balance ! Ouais. De quelle année vous êtes ? 81. Les histoires là. Et là, il n'y a pas quelque chose de nouveau, projet de déménager, tout ça là-bas ? J'y pense. Oui, parce qu'il y a un changement. Il y a le boulot courant 2014, il y a déménagement, et il y a pas mal de déplacements à droite. Plus ça va aller, plus vous allez. Ça, c'est bien ça. Ouais. Alors maintenant, je voudrais regarder les racettes. Je ne comprends rien, pourquoi il me prend le coude. C'est quoi les racettes ? C'est là. Ah oui, d'accord. Ici. On avait trois. Un, deux, trois. Enfin, deux et demi. Ça veut dire la santé, l'affectif et les finances. D'accord. Enfant, j'en vois deux. Ah ouais ? Enfin, un, sûr. D'accord. Deux, maxi. Bon, déjà, enceinte, vous passez toute la grossesse au lit. Comme ça, c'est réglé. Veuillez me rappeler dans 9 mois, hein, ça va aller. Ça donne envie. Oui, il y a une réussite. C'est marrant, venir, vous n'avez pas envie de monter votre propre agence, vous ? Si. Voilà. C'est dans les 2-3 ans. D'accord. Ah oui, là, il y a le carré magique. Ça, c'est des protections. Ah oui. Là, il y en avait un là, un là. Ça, c'est des protections. Il y en a un tout petit là. Bon, il faut savoir que les lignes de la main ne changent pas, mais se modifient à peu près entre tous les 5 à 7 ans. D'accord. Donc, si vous avez un trait, par exemple, qui est la cour, ben, il peut faire une flèche, il pourra faire un cercle, ou il pourra faire un carré, ou au contraire s'allonger tout simplement, ou se modifier avec une autre ligne. D'accord. Il faut le savoir, ça. Donc, tous les 5 à 7 ans. Et pourquoi ça évolue par rapport au choix qu'on fait dans la vie, c'est ça ? Non, à rapport à ce que vous devez vivre. D'accord. Enfin, évidemment, en rapport à des événements, en rapport à plein de choses, mais surtout à ce que vous devez vivre. D'accord. Vous avez vécu quelque chose, j'en sais rien, ou bien ou pas bien, peu importe. Il y a forcément un trait qui le marque avant que vous vivez le drame ou le bonheur. Ben, c'est un bonheur. On prend tout là.
Et les carrés de protection, c'est des protections, c'est-à-dire c'est qu'est-ce que... Ah, des protections divines, hein. Ça n'a rien à voir avec des protections des gens que vous avez connaissés, décédés ou tout ça, non. Donc divine. Et trois, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a trois personnes qui me protègent? Pas forcément, parce que là, ça touche un rapport être reconnu, là, ça touche au professionnel. Là, ça touche un rapport à une protection affective. D'accord. Et là, ça touche à quelque chose d'assez royal, on ne sait pas trop ce que c'est, enfin royal. Mais ça, de l'argent inattendu. D'accord. Voilà. Non, vous n'avez jamais eu l'idée d'écrire un livre, non? Si. Voilà. Ça, ça devrait se faire aussi. C'est d'abord votre pro qui est dominant là. Qui est dominant là. Les deux ans qui arrivent. D'accord, ça va être très très pro. Et vraiment, donc si j'entends bien ce que vous me dites, je vais vraiment me consacrer à mon activité. Oui. Je vais me lancer. Ouais. C'est marrant, vous hésitez et en même temps vous en mourrez d'envie, en crevez d'envie de le faire. Je pense qu'à venir vous allez gérer une équipe, tout ça. Vous... Ouais. C'est bien, hein. Et l'écriture, ça c'est sûr. Mm-hmm. Et il y a quelque chose de l'art, vous êtes attiré par quelque chose par l'art? Oui. Ou c'est la mode, ou c'est la beauté, ou c'est... Oui, la photographie. Voilà. Tout ce qui a rapport à l'image, tout ce qui a rapport à l'audio, tout ce qui a rapport à tout ça. Attendez, je vais me mettre un choix, voilà. Je vais avoir un choix. J'y vais, j'y vais pas. Oh, aïe, j'y vais pas. Il faut y aller. Boulot qui domine quand même là. Ouais, toujours. Effectivement. C'est important bien sûr, mais c'est pas votre priorité là. Mm-hmm. Alors, tout dépend de votre question. Donc en général pour ce qui est le pendule, quand il va sur la droite, c'est positif. Quand il va sur le tourne, côté à gauche, c'est négatif. Et quand il se balance comme ça, c'est peut-être. Et quand il fait comme ça, il veut pas répondre. D'accord. Enfin maintenant, chaque personne est différente, il y a d'autres, le oui c'est à gauche, le non c'est à droite, bon, chaque personne... Donc là il faut que je pose ma question dans ma tête, c'est ça? Non, c'est moi qui la pose. Ah d'accord. Alors eh bien, évidemment qu'elle est hésitante. Ah bah oui, puis elle hésite, elle dit qu'est-ce qu'elle hésite. Aïe 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 aïe. J'y vais pas. Ben tout est peut-être. D'accord. Alors, voilà. Et vous aussi, vous y allez. Professionnel dominant. Ouais. C'est dominant, c'est professionnel. C'est dominant. Merci pour tout.